Bonjour à tous les amis, c'est Chou Bleu. On se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo et un nouveau gameplay nommé Pacifie. Pacifie, c'est un jeu d'horreur. Nous allons l'explorer ensemble. Vous avez jeu de hot, rejoignez le jeu, joueur unique, option crédit. Et bien sûr, quittez si le jeu vous fait vraiment flipper. Restez, s'il vous plaît, bien assis et vous allez explorer avec moi ce gameplay. Mais juste avant, n'oubliez pas un fameux pouce bleu et bien sûr un commentaire pour me dire si vraiment ce jeu vous plaît. Attention, âme sensible, s'abstenir. C'est parti, nous allons partir tout de suite dans le gameplay et je vais choisir le mode joueur unique. Let's go. On rentre dans le gameplay joueur unique. Attention, ce jeu est pour le moment en solo. Okay, je pourrais vous le proposer prochainement en coop, en collaboration avec mon ami et mon dodo, le Mixo. Voilà, si vous aussi vous souhaitez acquérir bien sûr ce gameplay, il est disponible sur Steam dans les alentours de 3€. 3,99€. Bon, bref, il n'est pas tellement cher, donc je vous assure, essayez de vous le procurer et pourquoi pas m'inviter et on pourra le jouer en multijoueur tous ensemble et pour voir vos réactions et passer un beau moment de fun. Alors du coup là, on m'a lancé un appel et on m'a dit de accéder, si je peux comprendre, accéder à la maison. Voilà, par tous les moyens. Alors on y va, on va explorer. Et franchement, le bruitage de l'orage et tout là, le tonnerre, c'est bien réalisé. Pour moi là, pour le moment, on est bien embarqué dans les jeux sombres, dans les jeux flippants. Regardez. Alors du coup, si j'appuie sur 3, donc on sait plus où on est. Et donc je préfère appuyer sur 3 pour prendre ma lampe torche et éclairer un peu mon chemin pour savoir où je vais. Donc on va accéder dans la maison. C'est la deuxième partie que j'ai réalisée et franchement ça fait flipper. Restez avec moi s'il vous plaît, visionnez la vidéo du début à la fin hein, bien sûr, et participez dans l'onglet commentaire pour vous dire si vraiment vous flippez ou pas. Alors là vous voyez, on va rentrer à l'intérieur, c'est parti. Putain, ici il y a une porte, on va essayer de l'explorer. Alors, une porte verrouillée nécessite une clé de la cave. Alors du coup, on va trouver cette fameuse clé. Ici, il y a un bloc-notes. Alors, le bloc-notes, 15 novembre 1889. J'ai essayé de la sauver, mais j'ai échoué. J'abandonne. Je jure de ramener Kritchen, mais je crains que la petite fille ne soit perdue à jamais. Vult Leder, elle veut jouer. Putain, c'est quoi ça? Ça, je pense que c'est des poupées, des voodoos, des momies mortes. Oh là là! Vous avez entendu la pendule? Il manque juste le cri du hibou. Coucou! Voilà, on recommence. Coucou! Ah, c'est pas mal, hein, le cri du hibou. Ils auraient pu le rajouter. Alors, moi j'avance. On explore hein, en même temps. Ah, putain, il y a une serpillière, ils ont oublié de faire le ménage. Oh putain, vous avez entendu le grincement de la porte? C'est quoi là le grincement de la porte? Eh, franchement, ça fait flipper les gars. Je continue. J'éteins la lumière. Non, j'allume. On y va. Je fais le tour. C'est quoi ça? C'est du bois. Est-ce qu'on en aura besoin pour allumer la cheminée? On sait jamais. Hein, si on tombe sur la cheminée, on allume du bois au moins. Vous entendez quelque chose là? Oh putain, ça grince. Hein. C'est chaud. Hein. Moi, je continue. Je continue. Ici, les mecs, ils ont dû se bourrer la gueule. Là, ok, on est dans la cuisine. C'est dégueulasse quand même. Hein. Ils ont pas nettoyé la maison depuis un bail. Hein. On continue. Ici, il y a une porte. Voyons, voyons, voyons. C'est verrouillé. On continue. Alors, on a du stock. On prend un peu de bois. Non. Eh, j'entendais pas. Oula, que je dis, c'est vrai. On n'entendait pas. Eh si, on n'entendait pas les cocos. C'est où ça? Là, il y a une bouteille. Je vous jure qu'on n'entendait pas les cocos. Les poteaux. On continue. Bah, putain, qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Mais pourquoi je suis rentré dans cette baraque? Après tout, je m'en fous, moi. Eh, ça fait flipper, hein, moi je cours. Ça fait flipper. Bon, vivement que Lumixo installe le jeu sur son PC et qu'on puisse vous proposer hein, des vidéos en coop. Et franchement, ça va être vraiment marrant. Voilà, je le redis. Oh putain, il y a quelqu'un dans les escaliers, mon frère. On monte. Ah si, si, si.
Je te jure, il y a quelqu'un. Je monte. Attends. Il y a une poupée. Il y a une poupée en face. On fait quoi? On la prend? Ou on lit? Je lis le bloc-notes en rouge là? Ou on prend la poupée? Oh putain, il y avait quelqu'un là. Ouh, j'ai eu la chair de poule, putain. On prend la petite poupée. Allez. Voilà. Et on va dire le bloc-notes. Alors, je ne peux pas commencer à expliquer facilement ce qui s'est passé. J'ai perdu ma femme du fait de la mort... et ma fille adoptive à cause du mal. Bon, ma fille a été possédée par une incontrôlable puissance des ténèbres. Si elle est toujours là, vous êtes en danger. Ah bon ? Je ne vois qu'un seul moyen pour l'arrêter pour de bon. Brûler les poupées marquées. Oh putain, pourquoi j'ai pris la poupée moi ? Pourquoi j'ai pris la poupée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh les gars, putain, il faut prendre l'autre poupée. Ok. On prend la poupée. Putain, eh, franchement, ça embrouille la tête. Hein. Ça m'embrouille là, les gars. Moi, ça m'embrouille. Je sais pas où je vais. Bon, je continue. Marlich, si je crève, c'est pas grave. Au moins, vous aurez vu qu'est-ce qui s'est passé. Et là-bas, on a des yeux qui clignotent. Regardez. Et on a un bloc-notes en rouge. Ok, il n'y a pas de poupée voodoo. Vous avez pas vu une clé quelque part, les gars? Ok, faut pas qu'elle arrive. Hein. Ah si, il y a une clé. Key. This key. On va prendre la clé. Et le bloc-notes, qu'est-ce qu'il raconte? Je me suis enfermé dans différentes parties de la maison à essayer de trouver un moyen de la sauver. J'ai un jeu de 5 clés. Chaque clé ouvre des portes dans différentes zones de la maison. Il y a le grand vestibule, les chambres. Oh putain! Oh putain, c'est quoi? C'est quoi ça? Putain! C'est quoi ça? C'est qui a crié là? Putain! Wallah, ça m'a fait sursauter là! Putain, ça fait flipper les mecs. Essayez d'y jouer, vous allez voir. Vestibule, la cave, le grenier et les portes principales. J'ai laissé une seule clé dans chaque zone pour en déverrouiller une autre. Bah t'as foutu une sacrée merde, mon frère. Comment tu veux qu'on déverrouille si tu as balancé les clés dans chaque pièce? Ok. Ça, c'est bon. Moi, on peut pas sortir. On peut pas sortir. Ok, on va par là. Il n'y a pas de clé ici. Ici aussi, il n'y a rien. Regardez avec moi s'il n'y a pas une clé. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Oh putain, ça grogne mon frère. Il y a peut-être un ogre. Oh là là. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, c'est qui ferme les portes? Ok, on va essayer d'ouvrir cette porte. Ça fait flipper, hein. On est dans un couloir. Ici, ok, on range les livres. Ah, il y a combien d'étages ici? Eh, ça fait flipper le grenier. En général, on déconseille aux gens de monter dans le grenier. On y va quand même. Ah, oh, il y a quelqu'un. Oula, il y a quelqu'un. Eh, il y avait une porte en face. Il y a quelqu'un, mon frère. Putain, c'est un truc de ouf. Eh, j'ai... Moi, j'y vais, hein. On peut descendre. Oh, putain, il y a trop de bruit, là. Ah, franchement, ça... Ça devient abruti, hein. Est-ce que c'est abusé dans le game? Je sais pas, mais... À un moment donné, ça... J'ai fait le tour du grenier. Ah, il y a des gamins. Oula, il y a des enfants. Putain, on entend les gosses là. C'est horrible. J'ai une clé. On peut pas. Ouais, il y a trop de bruitage là. Franchement, il y a trop de bruitage. Alors, une fois le rituel terminé, nous brûlions le corps dans le cadavre. Ouais.
nous les avons brûlés dans la chaudière, bien sûr, cela garantirait que leur esprit accéderait au royaume suivant. Ok, on n'est pas dans la merde. Hein. Bon, moi pour le moment, j'ai trouvé aucune solution. J'ai survécu. Hein, la momie ou le voodoo n'est pas venu, donc j'arrive à vivre. À survivre. Ok, je continue à explorer. Hein, c'est pour que vous découvrez avec moi le gameplay. Hein, je le découvre avec vous. J'ai joué qu'une fois. Après, j'ai arrêté parce que c'est un jeu qui demande à jouer en co-op pour avoir. Putain, il y a des lumières hein, dans le coin. Pardon. Et qui demande à jouer en co-op pour avoir un peu plus d'ambiance. Ok. Donc, il faut aller dans tous les coins. C'est pour trouver la fameuse clé. Donc, on a fait le tour. On redescend. Voilà, on redescend. On n'a pas eu encore Pacifie, hein. C'est la fille, hein, Pacifie. Hein. Je ne l'ai pas rencontré encore. Donc vous voyez le truc blanc à chaque fois que ça éclaire dans les coins, en fait, c'est le tonnerre. C'est les éclairs qui font ça. Donc du coup, c'est vrai que bon, bah, ça il fait noir, hein, il fait sombre, et bah ça éclaire les pièces. Et c'est vrai que c'est bien foutu pour flipper. Alors je continue. Ici on l'a fait. Je sais pas où elle est partie, hein. Aïe, ça fait flipper. Voilà, mes amis, moi, je veux vous quitter parce que je commence à avoir la chair de poule. C'est pas pour vous mentir, c'est vrai que des fois, t'as des frissons bizarres. J'ai pas rencontré Pacifie. Je suis tranquille parce que d'habitude, Pacifie, bah, on le rencontre, elle marche à côté de vous, elle vous dégomme ou elle vous tue. Voilà, donc dites-moi dans l'onglet commentaire si cette vidéo vous a vraiment plu. Un pouce bleu si c'est pas trop demandé. Et il me reste plus qu'à vous dire, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.